وصلوا على نبينا وصلوا على نبينا وجمعني حديلنا وصلوا على نبينا جينا نعاني العريس وجينا نعاني العريس وقدم لنا Donc voilà, alors je me présente, je suis de Bloc Doris, vous présente aussi Kevin. Donc en fait, on voudrait vous expliquer à quel point on a appris et on va vers la culture orientale dans nos chansons qui sont multiculturelles. Et voilà, donc on voudra vous expliquer ça parce que ça nous tient à cœur. Et le fait qu'on est belges, tous les deux, de souche, de parents belges, et qu'une culture différente qui se propage ici à Bruxelles, on s'est dit, voilà, nous on va vers cette culture parce qu'on l'aime et parce qu'on trouve qu'elle est très... Alors aussi, on voudrait vous dire qu'on essaie de trouver un groupe où on pourrait réunir justement nos musiques, que ce soit des musiques européennes avec des musiques orientales. Et on voudrait donc enrichir des musiques déjà existantes avec de la symphonie orientale, pour vraiment rassembler les gens. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Oui, même moi je m'investis au niveau de la musique orientale, donc j'apprends à chanter en arabe, et ce qui est d'ailleurs pas évident, mais c'est vrai que pour ma part personnellement, c'est aussi un choix sur le fait que c'est ma façon à moi de montrer que je soutiens aussi les Marocains, les Algériens, les Maghrébins de Bruxelles par rapport aux événements qui se sont passés ici. Et c'est mon engagement à moi pour dire que voilà, je sais faire la part des choses et je m'investis à soutenir aussi ces gens-là qui sont aussi victimes finalement. Et voilà, et puis bon, moi c'est la passion de la musique et c'est une chouette expérience. En ce qui me concerne, j'ai commencé avec des chansons en derija marocaine parce que voilà, je trouvais que ça faisait bien aussi à Bruxelles. Beaucoup de gens ne parlent pas Fosharabia. Mais je me suis quand même engagée à faire des chansons d'anachide pour que les gens voient aussi qu'au niveau religieux, on peut aussi être ensemble. En ce qui me concerne, j'irai obligatoirement un jour visiter le Maroc, un petit peu partout, voilà, puisque je suis quelqu'un qui aime bien... découvrir d'autres cultures, j'aime beaucoup voyager, j'ai déjà voyagé au Mexique, Thaïlande, Burkina Faso, donc forcément j'irai un jour au Maroc, d'ailleurs je pense même l'année prochaine pour découvrir cette belle culture d'ailleurs. Je suis allé au Maghreb, et alhamdoulilah, tout le monde est là, tu vois que là, sucre. تواك الله حلوي زعما كلشي الناس تما حنين ما شاء الله دائما حنين والسلام عليكم وسكو توي بلج كنتي با بلج انا نمشي في المغرب ما شاء الله تبارك الله والحمد لله مزيانه تطوان طنجي رباط جيتي جوسكا كازا مي جو بريفير لو هو جو بريفير لو نور par choix. J'aime beaucoup Tétouane par exemple, c'est une très belle ville, et voilà, les gens là-bas sont magnifiques. Et alors pour le Ramadan, je vous souhaite à tous, parce que n'oubliez pas que le Ramadan est universel et que peut-être à côté de vous des gens font le Ramadan, vous le savez même pas. Moi par exemple, je suis musulmane et je fais le Ramadan et je suis très fière de le faire, en même temps que ma religion et tous les musulmans de la terre, inshallah. Et je souhaite à tous un très très bon Ramadan, plein de doa, inshallah, plein de khair, et voilà. الله يجزيكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.